Depuis le 25 septembre 2023, Émilien ne cesse d'enchaîner les victoires sur le plateau des 12 coups de midi. Le jeune étudiant vendéen de 21 ans cumule déjà une cagnotte de 833 341 euros de gains et de cadeaux. Dès lors, une question se pose. Jusqu'où le champion de Jean-Luc Reichmann va-t-il aller ? Sur ce point, le journaliste Clément Garin a fait des révélations via son compte X le 2 avril 2024. Selon ses dires, Émilien n'est pas prêt d'être éliminé et de quitter les millions de téléspectateurs qu'il passionne chaque jour avant le journal de 13h. Il s'apprête à devenir le recordman du jeu et dépassera les 1 050 000 euros de gains au 21 mai prochain avec 240 victoires. Il ne sera toujours pas éliminé et dépassera ainsi les 1 026 000 euros remportés par Bruno Hourcade en 252 participations, a avancé l'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP via le réseau social, désormais dirigé par Elon Musk. Et il y a quelques jours, le jeune étudiant a réussi un nouvel exploit sur le plateau du jeu qui a fait face à des accusations de favoritisme. Il est parvenu à remporter une 7e étoile mystérieuse en démasquant la personnalité qui s'y cachait, à savoir Kate Winslet. Un acte qui lui a permis d'agrémenter sa cagnotte d'un gain supplémentaire de cadeaux s'élevant à 36 609 euros. L'impressionnant parcours d'Émilien fait les belles heures de TF1.